plus productif. Ah, incroyable. Hein. La vie des youtubeurs, chers amis, bien, bien, bien. On est non, bien. Internet, c'est bien quand ça fonctionne. Hein. Ouais. C'est très bien. C'est vrai, c'est vrai. Et on oublie que des fois, ça fonctionne pas. Ça. Fois, je viens de tomber sur un cosplay, là. De Maya. Wow. Non, 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 non. C'est dans Prince of Persia 2, c'est l'impératrice Katarina, là. Pouah, 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 pouah. Du coup, puff, puff, puff. Tiens, regarde, il y a cette image. J'ai un sans lunettes qui est plutôt badass. Celle-là, regarde, c'est classe. On n'oubliera pas, si vous avez raté cette première heure, hein, si vous venez d'arriver, ne manquez pas le rediff sur... Il y a le rediff de ce là, on est paré. Du coup, si tu dégoupes les rediffs en une heure, Fred, est-ce que tu vas mettre la première heure en rediff? Ah non, ça, nous laisse à peu près, ça nous laisse à peu près un quart d'heure pour régler le problème, chers amis, hein, je cite. Hein. Je cite. Hein. Faut voir si le Stropole préformat... Il y a un autre logiciel genre Skype qui permet de faire des appels avec vidéo et ça te les affiche toutes les vidéos sur une page internet. Mais encore une fois... Oui, mais s'il n'a pas internet. Oui, non, mais on est d'accord, mais ici Skype fonctionne pas... Si on le faisait par téléphone, la soirée. Ça peut être cool. Alors, c'est oui, MSN machin, là. du coup, ça y est, c'est fixe. On a retrouvé un meilleur écrit en direct sur le live. Après, on n'est pas du tout au bon endroit, hein. Je pense que... Ouais, voilà. Mais c'est, je peux pas déranger ma config initiale. Ça peut remarcher, et c'est pour ça qu'il faut garder l'espoir. Faut garder l'espoir. Faut garder l'espoir. Pour le flodo. Qu'est-ce qu'il raconte, Maya? Alors, ouais, le fil rouge, Maya, où en est-il? Je sais pas, je lui ai dit de me rappeler quand il y avait du nouveau, de m'envoyer un SMS. Merde, rappelle Maillard, dis-lui combien de brosses à dents il a récupéré, quoi, demande. Fais-moi un dé. Est-ce qu'il a un demi-tabouret? Putain. Bon, je me mute au cas où il insulte très très fort ses ancêtres. Vas-y, tu peux y aller, tu peux y aller. Crane, tu me fais un lancer de perception, s'il te plaît. Un jet d'internet, quoi. Mon Dieu. Fais-moi un jet de livebox. Ah, je le fais très mal. Non, on n'y arrive pas, hein. On n'y arrive pas. Hein. Personne n'arrive à imiter Maillard. Non, mais ouais. Ça va aller, ça va aller. On va réussir à un moment. Il y a Batman maintenant sur le live. Oui, c'est l'anarchie complète. Alors, Paul, il en est où? Ça n'a pas bougé. Si on gagne Batman et qu'on perd Maillard, ça va, on y gagne le jeu. On s'assomme dans le vide et il répond pas. Oh, mais ouais, non. Mais... C'est-à-dire qu'il a perdu sa box, il a perdu son portable, ah, le il a voilà. Tout perdu. Et l'appel, à tout de suite. Oh putain. Bah parce que mets-le à côté du micro, qu'il fasse un bisou aux gens qui sont sur le live, bah oui. Je suis là, je suis toujours vivant. Envoyez-vous donc. Ils m'ont capturé. Franchement, le Prince of Persia est badass, hein. J'hésite à le garder à la place ouais, de la un petit peu. Tu veux pas mettre un Jackie Chou en attendant? J'avais mis Jackie Chou, mais je sais pas, vous avez une suggestion? Oh, Seb, est-ce que tu veux leur mettre... Attendez, il y a Maillard, voilà, il veut vous dire quelque chose. D'accord. Allez, le premier échec critique pour moi, on dirait. Attends, chute, jamais, juste jamais arrivé. Bah, il fallait que ça arrive, du coup. C'est ce que ta femme a dit la première fois. Donc, il t'entend pas, Bob. Allô? Non, oui, vas-y. On vous entend, mon cher. Que se passe-t-il? Vas-y, alors, fou. Vous êtes au milieu des tirs croisés. Que ça me navre un max, ça m'est jamais arrivé. Donc j'espère que ça va se résoudre toujours dans les 5 minutes, ça serait super bien, mais ça serait tellement bien. Et qu'a dit la commission à propos du dopage? Et je suis terriblement désolé, ça m'est jamais arrivé, ça, ce genre de choses. Mais sinon, donc, comment faire? Quelle solution propose Vladimir Poutine pour la crise en Syrie? D'ailleurs, il y a un petit décalage, parce qu'il est très... Tout à fait. Non, c'est toujours bien les avantages, hein. Les troupes russes avancent. Est-ce que vous voyez la ligne de front de là où vous êtes? Donc, oui, bon. Non, ça m'est jamais arrivé, donc je suis vraiment extrêmement désolé. J'espère que ça ne se rattrapera pas dans les 5 minutes qui viennent, ou ça ne se rattrapera pas tout court.
Je suis en train de mettre une photo de toi. Enfin, c'est une photo de Prince of Persia, mais on va dire que c'est une photo de toi. Je la fais remuer quand tu parles, tu vois, il y a un roleplay. Je veux un avantage pour ça. Bon, allez, attends. Je coupe l'appel. Concentre-toi sur le. Voilà, bon courage, Maya. À toutes. Mes chers spectateurs, vous avez entendu en direct. L'heure est grave. C'était donc Maya de la. Voilà. En direct de la ligne de front. C'est ça. Et maintenant, la météo. Putain, quoi. Oh, ce live de la tristesse. Oh, mon Dieu, c'est la tristesse. Je trouve qu'il fait partie des meilleurs. Moi, c'est, bon, c'est que mon opinion. Mais... il y a une performance, bien, action, réaction, improvisation. Et dans l'optique, ah ouais, c'est clair que là, par contre, on est à 1130%. Mais dans l'optique où tout foire, il nous faudrait une roue de secours quand même. On fait quoi? On en refait un demain? Comment ça se passe? Bah, si dans l'hypothèse où tout foire, on va effectivement décaler. Parce que soyez honnête, si à 21h30 on n'a pas réglé le problème, on aura presque dépensé la moitié du live pour régler un problème technique pour le lancer. Donc arrive un moment où le match de foot, faut le décaler, tu vois. Arrive un moment, tu peux plus juste bourrer les pubs et faire « Oui, on nous annonce qu'un petit souci. » Non, ça ne marche plus. Jean-Pierre, c'est plus possible, tu vois. Il faut décaler 20h maintenant, Jean-Pierre. Il y a encore cette personne qui veut savoir, qui veut connaître la fin. On est en mode BFM TV, là, et c'est meublé sur du vide. Faudrait que j'ajoute des bandeaux qui circulent comme ça. C'est ça, quoi, les bandeaux, tu sais. Et donc, actuellement, il n'y a absolument aucune évolution par rapport à la dernière heure et demie, mais on va quand même résumer exactement ce qu'on vient de dire. Elisabeth, alors, pour les gens qui nous viennent de nous rejoindre, un résumé des faits, il ne se passe rien actuellement. Absolument rien du tout. Regardez le témoignage de cet homme qui va nous certifier qu'il ne se passe rien. Ah oui, moi je suis vieux, ça fait longtemps que j'habite ici et il ne se passe rien. Mais parce que je suis vieux, tu peux faire confiance. Ah putain, quoi. Oh la vache. Cette femme n'était pas sur les lieux lors de la chose qui s'est passée. Tout, ouais, elle ne sait donc. J'étais pas du tout là, mais du coup, je sais absolument tout ce qui s'est passé, bien sûr. Ah oui, j'ai rien vu, mais c'était incroyable. Oh putain. Jean-Michel Tristesse. Je propose, il est 49, on va se laisser jusqu'à 21h. On met la pub. Si à 21h. Oui, voilà. À 21h, on met la pub. Allez. Et puis ensuite, on va siffler la fin du match et puis exactement, on verra bien. Voilà, il faudra tirer les conclusions de cette situation. Restez là encore 10 minutes. Voilà. Voilà, vous suivez l'évolution de cette situation. Exactement. Minute par minute avec nos reporters qui sont. Voilà, exactement. Mets des bandeaux, Seb. Mets des bandeaux. Habille la chaîne un peu. D'accord. Mets un BFM TV. Attends, mets le logo BFM TV en bas. Et c'est là, tu vois, que je regrette de ne pas avoir acheté des bracelets. Tu sais, des petits bracelets en plastoc pourri que tu trouves dans les paquets de Chocobic. Pray for Maillard, tu vois, un truc comme ça. Là, t'en vends des milliards, mais des milliards, tu te fais un pognon, mais terrible. C'est terrible. Mon Dieu. Quelqu'un dit que Maillard bouge chez quelqu'un d'autre, va chez ton voisin. Oui, t'as raison, agresse ton pâté de maison. Le gars, il va chez son voisin. Où est Internet? Le thriller, tu sais. Il s'assoit, il reprend, mais c'est pas du tout le même décor. Il a des taches de sang sur lui comme ça. Alors, messieurs... Ah, putain... Mon Dieu. Bon, bah, au moins, les gens rigolent. Ils se foutent de notre gueule, mais ils rigolent. Ouais. Et on est de plus en plus nombreux. C'est un métier. Les gens veulent savoir. Ils veulent savoir l'issue du live. Ouais, ils veulent savoir la suite. Les mecs qui s'appellent sont un putain. Ouais, je te jure. Non, mais Jean-Emmanuel, vas-y, connecte-toi. C'est trop drôle, ils font rien. Non, tu déconnes. J'arrive tout de suite. Rien sur Internet. Ouais, ils mettent des pubs en plus. On va créer un hashtag, il faut essayer de le faire monter en trend, ça... Ah c'est ça. De buzz d'adulte. Ah bah si on arrive à passer devant Michel Rocard, moi je dis pas. Ah putain. Oh la vache quoi. Quand même, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Ça devient aventure info. Prépare l'affichage, hein, donc allez-y, je vous laisse. Ouais, allez-y. Aventure info. J'ai mis un morceau de stress un peu, tu vois, c'est le BO de Hit, mais ça fait très journal télé, breaking news. Ça, nous avons retrouvé le... c'est quoi, c'était le carnet de naissance, l'acte de naissance de Chine. Il n'est absolument pas ce qu'il prétend être. Plus d'informations tout de suite. Il maîtrise le feu depuis tout ce temps. C'est ça. C'est ça, quoi. Bon, je sais pas que ça me vient de chaud. On fait rien, surtout qu'il n'y a plus Crane, on le voit plus depuis tout à l'heure. Ah, je te propose. Lui aussi, on l'a perdu. Ah, mais le micro, il était coupé, c'est pour ça. Et c'est pour ça, bah oui, parce que j'étais en conversation avec Maya. Ah. Que je ne suis plus.
Ah, alors, qu'est-ce qu'il racontait quoi hors antenne ? Non, rien. Il a pas internet. Voilà, c'est tout. Il y a des gens qui regardent, il faut un peu d'information, quoi. Il faut donner du sel, quoi. Je lui demandais de m'envoyer des photos. Ouais, des nudes, quelque chose. Ah, oui, il faut. Des MMS. Ou alors il faut créer des breaking news, tu sais, mais pour faire tenir du temps, genre les trucs qui s'insèrent, genre est-ce que monsieur Frédéric Molas assume son hétérosexualité? Monsieur Molas. Tu balances ça au pif. Tu balances ça au pif. Seb est en train de préparer l'interface apparemment. Ouais, il y a toujours deux Bob depuis longtemps quand même. Hein. C'est Seb qui fait l'interface, mais il n'y a pas de Seb. Ouais, c'est vrai, mais je suis un peu rogné, c'est l'alignement qui est un peu pété, donc tant pis. Parce qu'en fait, t'as foutu la fenêtre Skype avec les gens qui parlent... Ouais, parce que moi, je suis coupé en deux, en fait. Hop là. D'accord. Là, si je l'enlève, on voit juste un bout de mon visage. Merci, Marjolaine. Voilà. Merci, Marjolaine, qui nous envoie une image où elle a écrit sur une feuille de papier « Interro, aventure par 4 ». Écris le résumé et ce que tu as compris. Alors, il était une fois des bugs sur Skype et après, plus rien. C'est ça. Voilà, un avantage. Un avantage. Attends, je te trouve un bandeau de news. Je vais essayer d'appeler quelqu'un. Comment tu dis un bandeau en anglais? Un bandeau. Je reviens. Je sais pas, ouais, banner, je tapais banner, moi. News banner. Moi, je vais mettre mon pet. Enfin, un personnage qui ressemble à mon pet. Ah, tout avait sauté, très bien. Ah, vous êtes de retour. On est de retour. C'est Crane qui hostait, donc du coup il a raccroché, on s'est tous fait bitch the fuck out. BTFO quoi. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. On est là, on est bien. Attends, il y en a un là, j'ai un bandeau de la BBC là. Très bien. Ah putain. Tu l'as? Attends, tu me l'as... Attends, j'arrive. Ça c'est pour mettre en haut ça. Faut habiller, faut donner... Bon. C'est une musique de la... Il est 20h50... Il est 20h55. Ça va être l'heure de tirer dans 5 minutes. Je peux proposer un alternatif. Hein. J'ai fait ça sur un stream de la propreté. C'est génial, c'est passionnant et ça fait passer le temps. Mais genre, c'est ultra passionnant. Je peux proposer un match d'une heure de sumo. Ouais, je pense pas que ce soit ça. Ils sont pas venus chercher ça, mais ça fait un truc qui passe en fond pendant qu'ils vont chercher du popcorn et ils se posent en attendant qu'on règle les problèmes, tu vois. Au moins, ils ont. Ouais. Allez, bon, j'ai appelé quelqu'un avec la vidéo cette personne me voit parfaitement. D'accord, donc c'est nous. C'est un d'entre nous. Voilà, c'est The Thing. C'est ça. Qui est le coupable? Attends, qui est le coupable? C'est l'Astropole. Il faut expliquer. Avec un fil d'air. On résume, alors c'est QB2 là. Qui est le coupable? C'est le colonel avec le... Il y en a un parmi nous qui fait bugger les autres. Alors, ça ne peut pas être Maillard parce que Maillard n'est pas là. Ouais, mais c'est une très bonne, c'est un très bon alibi. Mais en même temps, Crane pourrait mentir, il pourrait dire qu'il a appelé quelqu'un d'autre et qu'il le voit parfaitement, mais on n'a aucune preuve. Donc en même temps, est-ce qu'on se retrouverait pas dans le scénario, tu sais, d'Agatha Christie, les 10 petits nègres, c'est-à-dire qu'en fait, c'était l'assassin, mais le premier qui était mort en fait. Ah là, mais comme... Non, mais non. Oui, non, je l'ai spoilé depuis, non. Mais le livre est sorti depuis 60 ans. Oui, mec, mais donc, quand même. J'ai spoilé, mais voilà quoi. Non, mais arrête, c'est comme Roméo et Juliette. À la fin, il meurt. Voilà, je spoil. C'est pour ça. Voilà, donc Stropole, qui est le coupable? Qui est le coupable? Écoutez. Moi, je pense que c'est Fred, il le cache. Hein. Regarde, il fait des Stropole et tout, il veut se mettre bien. Hein. Super. Ah putain, vous êtes sérieux? Allez, je vote pour moi parce qu'on fait le bon geste. Bah écoutez, moi je pense magnifique. BBC World. Tend... C'est Crane qui ment, voilà donc. Donc moi je dis, à mon avis, Crane, je pense que Seb t'a foiré ton, truc. Qu'est-ce qui se passe? De quoi? Ah non, c'est pas ça.
Magnifique. C'est le meilleur live que j'ai fait depuis longtemps. Et la dernière fois, ça impliquait du sumo quand même. Vous mettez la barre haut, quoi. Bon, putain. Écoutez, je propose à mon ami, on reboot tous. Vraiment. Genre tous, je suis tourné, donc ça va foutre la merde. Ah, mais non, mais bah, tant pis, tu reboot tout, et le PC, tout, la totale, quoi. Ouais, déjà. Mais encore. Bah attends, mais à ce moment, Bob, on va essayer, toi et moi aussi, quoi. Bob. Ok, on va essayer, on fait ça. On fait ça bien, Roméo et Juliette style, allez, reboot moyen... team. Allez, attends, il y a réponse. Moyen d'appeler les gens un par un, c'est-à-dire que, par exemple, Seb appelle une personne, il voit s'il la voit en webcam et tu rajoutes une personne par une personne. Ce serait pas mal. En commençant par Crane, de la part de Seb. Mais juste après, nous d'abord, moi je vais couper la conversation, ça va vous couper. Seb, est-ce que tu veux bien tenter de rappeler Crane juste derrière? Juste Crane, après voilà, tu les rajoutes un par un. Regarde cette photo, il est formidable. Un par un, tu les cherry pick. Voilà. Bon. Allez, à tout de suite, je coupe, vas-y, rappelle. Tout de suite. Donc on tente des choses. Redémarre. Alors, on est reparti, j'appelle Crane tout de suite. Test numéro 1, avec la musique qui va bien. Premier appel. Le moment de vérité. Salut Crane. Alors t'es sur Aventure Radio. Alors ça va bien? Bah ça va bien. Dis-moi, écoute, je passe une super soirée. Ah c'est cool. Je t'envoie un autocollant tout de suite. Mais j'aimerais bien voir ta tête. Plaisir. Oui, alors Samouline. Est-ce que voilà, les auditeurs pourront confirmer que Samouline. Voilà. Mais je te vois pas moi. Attends, je l'ai pas partagé, je fais mon sac. Voilà, est-ce que tu me vois? Ah, je te vois. Ah, c'est déjà moi, je me vois. Ah là là, je ne t'avais pas vu depuis très très longtemps. Hein. Je savais plaisir. Même plus à quoi tu ressemblais. Donc là déjà, je suis étonné. Je me dis mince, je savais pas, il est blanc tout ça. J'étais même plus sûr. Et oui, effectivement. Et c'est, voilà. C'est bon, et donc tu me vois pas? Je ne te vois pas, toujours pas. Samouline, hein. C'est même état que depuis le début de la soirée. Donc aucune évolution. Donc il y a un problème entre nous en fait. Il y a quelque chose de sous-jacent, exactement. Des choses qu'on se dit pas, il faudra régler des ça choses soir. Qui sont voilà, qui sont restées cachées. Faut que ça sorte. Bon. Ah là là. Pourquoi tu veux plus me voir? Pourquoi? Mais attends, il faudrait que quelqu'un d'autre t'appelle aussi pour voir s'ils ont ce problème là aussi. Oui, ouais, c'est peut-être voilà. Moi le problème. Je vais raccrocher, oui voilà. Il faudrait que tu te fasses une raison. C'est ça. Que tu balayes devant ta porte. A plus tard. A plus tard. Au revoir. On va prendre un nouvel auditeur ensuite sur Aventure Radio. Ah, je m'éclate. Je pense que c'est pas réciproque sur le live. On est navré, désolé. Alors, un nouvel appel, non? Que se passe-t-il? Je vais tenter d'appeler un autre convive. Alors, snack. Allô, qui va là, je te prie? Oh, alors, on l'a retrouvé, Maya. Ah, un, deux. Ah oui. Ah oui. Ah, Crane, décroche Crane. Il faut y croire. Parce que si on n'a pas Crane, I believe I can touch the sky. Avec une image toute pourrie. Le putain. Le stress. On a retrouvé. Il en manque plus qu'un. Oh la vache. Maintenant, il va falloir plus que tu te démerdes pour faire le scénario en 3 heures. Attention. Donc en fait, ils nous ont capturés, mais ils nous ont relâché direct parce qu'ils étaient très gentils. C'est ça, voilà, une heure de gagner. Yeah, la tension est à son comble. Oh, putain. Alors, Crane, où es-tu? Où es-tu? Alors, je suis tellement, tellement désolé. C'est pas grave, ce sont des choses qui arrivent. C'est jamais arrivé, non. Ah oui. T'inquiète, on parlait très mal. C'est vrai? Ah non, mais en plus le climax, tu vois. Comment t'as réussi alors à faire fonctionner ta box? En criant et en pleurant. La méthode normale. Comme quand Gotrog, il a ouvert le couloir du temps dans la... Je sais même pas comment ça s'est redémarré. Je sais pas. J'ai enlevé les câbles, j'ai fait comme ça, là, tout le temps, là. It works, bitches! Formidable. Mais il manque Grunleck. Oui, Crane. Toujours.
Mais j'ai essayé de l'appeler tout à l'heure et comment je le voyais pas non plus. J'avais le son mais pas l'image. Ah, c'était lui, si on le savait. Si au moins on a le son, ça va. Ouais. Truc que aura, mis... Je peux mettre sa photo, hein, encore une fois. Ouais, ah, bah encore... il aura sa photo et puis c'est marre. Vous vous rendez compte que j'ai accepté la mise à jour Skype à cause de vous, quoi. Ça m'a changé toute mon interface et tout, c'est dégueulasse maintenant, je sais plus où ça est. Faut que je remette ça, Skype. La merde. Je remette tout. Du coup, ouais, non, si la cam de Cray n'est pas affichée, moi ça va me changer toute la disposition. Je lui envoie un message. Donc, Maillard, tu te mets un sac. Je suis tellement désolé, mais tellement désolé. Le désavantage. Ça sert à rien d'être désolé. Prouve-le. Scarifie-toi. Prouve-le. Des actions, des actes. Ouais, mais ça va être tournée générale d'avantage pour tout le monde. Je sais pas quoi. Je sais même pas. Non, c'est pas de ta faute, écoute. Ça arrive. Moi, je préférais à la rigueur que tout le monde ait un désavantage, sauf nous. J'aimerais bien voir les 800 soldats avec les petites icônes. Genre, ils sont déprimés, ils savent pas pourquoi. Alors, hop. Tu sais, t'imagines si tous les soldats de la garnison là ils ont un désavantage, ils essaient de se mettre en formation, mais tu sais, ils tombent tous. Ce serait trop fort. Alors... Ça partirait en sucette. Créer le live, le tag, le hashtag aventure guac, quoi. À la place de aventure live. C'est ça. Bon. Comment on fait dans les comment tu fais toi dans les scénars quand t'as un joueur absent? Tu le gères en PNJ ou pendant longtemps je l'ai géré en PNJ et à force de ça, du fait que ça me casse les couilles, j'ai dit s'il est pas là, bah il est pas là tout court. Il revient. Dans mes parties, moi quand j'étais MJ, c'est pareil, en début de partie, t'avais les trois joueurs qui continuaient l'action et puis t'en avais un qui faisait Bah il est où le prêtre? Tu ne l'expliques pas, ça arrive de temps en temps. Ça arrive. Il y a des gens sur Terre, voilà, à qui c'est ça exactement arrive. Comme ça. Ah putain quoi. C'est exactement comme ça que je gère, parce que j'en ai eu marre d'essayer de gérer là. Oh merde, apparemment je suis à la place du MJ, c'est quoi cette histoire? Bah enfin il va y avoir la cohérence. Une promotion, t'inquiète. Non mais attends, t'as refait les setups? Et viens pas me parler de cohérence toi, un des avantages. Non mais je peux tellement pas vanner qui que ce soit là, tu vois. parle pas mal de mes tokens s'il te plaît. Ouais. Putain, sans moche. Bon, j'essaie de rajouter Crane à la conversation mais en vain, j'arrive même pas à avoir le son. Tu peux me refiler le lien du Roll20 parce que j'ai perdu. Oui, bien sûr, tiens. Que tu veux. Attendez, je vais raccrocher, je vais refaire l'appel avec tout le monde. Laisse-moi lui donner. Bon alors, Sir Delenor se lève et dit qu'il est désolé. Le scénario de l'excuse. Je voulais pas. Tous les gens qu'on croise dans le jeu, ils font je suis désolé, excusez-moi. Le dragon là, comme ça, du début du scénario, il revient, il fait Crane, il se fait kicker direct, je ne pige pas. Ouais, ça veut dire que c'est son Skype qui merde. Oh. Il a fait la mise à jour. Ouais, Mais vous êtes à la même région géographique en plus, il y a peut-être un lien. Ouais, on va prendre le. Peut-être que je sais pas, il y en a qui a des gens à Lyon là qui sur le chat qui auraient des problèmes techniques aussi. Bah, s'ils ont des problèmes techniques, ils seront pas sur le chat, ils vont chier. Ouais, non mais pareil, ça se déconnecte. Enfin... J'ai tellement la honte du désespoir là, mais tellement. Mais t'en fais pas, c'est pas grave. Bon, sinon, on prend quelqu'un dans le public, on le fait jouer Crane. Ça va pas être difficile vu le roleplay. Oh. Attends, moi je joue Crane, moi je suis désolé. Il faut être gentil. Parce que... Tu bouges les bras aussi un peu. Très bonne imitation, très bien. Alors s'il vous plaît, arrêtez de vous battre parce qu'il faut tous être gentils entre nous. Nous les nains, on aime pas la violence. Dixit, avant de pister un mec avec son bras quoi. Non, moi ce que j'aime bien c'est je suis pas très d'accord avec ce qui se passe là-dedans. Monsieur Lamonde, les affaires reprennent. Monsieur Lamonde de la pub. C'est tellement beau. Allez générique. Hop là.
J'en pleurerai. Mais moi aussi. Ah, incroyable. Non, moi aussi, les mots m'échappent quoi. Oh mon dieu. Oh mon dieu. J'ai reboot la box, hein, apparemment. D'accord. Ça devait être la box. Ah, ça félicitations. Devait être... ah, ça devait être Lyon. Félicitations. Il y a peut-être un truc à Lyon. Il y a peut-être eu un problème à Lyon, je pense. Vu qu'on est tous les deux dans la région lyonnaise avec Maillard. C'est... 21h07, on a dépassé la date fatidique de 7 minutes. On se retrouvera donc demain, chers amis. Est-ce que tu as coupé le live à un moment, Seb, ou jamais? Non, jamais. On a une super rediff. Il va falloir que là, toujours. Actuellement, Crane et Bob, Maillard et moi je suis Grunleck, et Bob et Maillard. Oh, oui, non, savoir. C'est un autre problème. Je suis Bob, c'est ça? Prendre en considération ouais. Maintenant. C'est compliqué, il va falloir que je parle tout le temps, ça va être dur, dis donc. J'attaque. J'attaque. Maillard, il va falloir que j'invente des scénarios. Okay. Attends, là j'ai un truc à dire et je pense qu'il y a deux ou trois possibilités. D'abord, faudrait prendre en compte le premier effet qui est que la personne qui est là-bas a peut-être un agenda derrière. Et puis le deuxième effet, il y a peut-être aussi quelque chose qui va se passer en fonction du premier effet. Mais le troisième effet, j'avais trois questions, mais en fait j'en ai cinq. Alors la cinquième question, je pense que. Comme ça, bon, là là. Mais ça va, on ne dit rien. Alors, je t'adore, Bob, je plaisante. Hein. Pendant que tu parles, il y a 49 arbalétriers qui te tirent dessus. Alors, je vais faire ce jet complètement pas caché au pied. Oh 49 réussites critiques des archers, c'est ça ? Critiques des arbalétriers. Ah là là. Alors, j'utilise la cohérence pour dire que non, tu ne peux pas me tirer dessus. On avance. Je suis un bon MJ, je reconnais. Calmez-vous les enfants. Je vous propose de fermer vos gueules. Bon, c'est moi qui allais, c'est putain de j'ai une strat. J'ai une strat. Alors, qui c'est, qui quoi? Ça c'est Maillard, très bien. Donc, allez-y, je vous en prie, meublez, chantez une chanson, racontez un poème. Le temps que je suis désolé. Quelque part, j'ai envie de dire, on n'est pas à la bonne place, mais on peut quand même commencer. Oui, on est plus à ça près. Hein. On a déjà remercié tout le monde pour la patience. C'est vraiment adorable, j'ai envie de pleurer. En tout cas, bien joué, Crane. C'était un très très bon troll. J'ai mangé mon truc, mais j'ai vu ma barre de vie faire... Alors, je suis tellement pas d'accord avec les gens qui disent que tu parles trop, parce que je trouve que t'apportes toujours un point de vue pertinent. Comme je disais, ça va être très dur de te remplacer, parce que t'as toujours un point de vue qui est pas forcément opposé, mais toujours un poil différent, genre t'as toujours une autre vision des choses. Ça. Bravo, tous les deux. Oh bah, je t'emmerde, ça va, écoute. Hein. Mais c'est vrai que les nains ont une plus grosse bite. Et un point. J'aurais voulu être un nain pour avoir une... Voilà. Oh, c'est du fun. Ah, tu le tiens. Je crois que tout le monde est à sa place, attendez. Oui. Non, il y a deux Crane. Attends, non, oui, mais si tu regardes la rediff, d'accord, oui. C'est Fred qui m'a appris à faire cette voix-là. C'est super chaud, en fait. Je sais pas comment il fait, Fred, mais il le fait trop bien. Je sais pas. C'était moi qui... Alors, je n'ai plus le jeu, remettre le lien du jeu, SVP. Parce que ça m'a crash toutes mes fenêtres. Moi aussi, ça m'a... Ça m'a vraiment tout... En vrai, c'est la misère, hein. J'ai perdu 15 onglets super importants, mais c'est pas grave. Ouais, si tu lui mets le lien de l'éditeur de Roll20, ça veut dire qu'il est déjà dans la partie, ça ne marche pas. Je sais rien, moi, écoute. Merci, Maillard. Et merci de ton attention, Fred. C'est propre. Ouais, du coup, on est tous gentils les uns avec les autres, ça va pas aller. De toute façon, il faut qu'on soit tous gentils, on va se retrouver en tôle pour un bon petit moment, apparemment. Gentil pour un tôle. Donc, il a dit qu'il y a vous mettez tous un avantage, c'est ça que t'allais dire? deux avantages. Non, t'as déjà un avantage, Fred, et moi aussi. Oui, c'est vrai qu'il y avait cumulé deux. Ouais. Non, mais j'ai tellement pas envie de commencer par « Elle a vous », tu vois. commence avant que tu replantes. Voilà, alors, vous avancez et XP. Donc. Et un peu de musique aussi, si tu peux. Pendant que les gardes vous frappent dans la bouche pour vous mettre en prison, vous gagnez un niveau. Mec, ouais. Alors, qu'est-ce que je mets? Ok, pour moi c'est bon, tout est calé. C'est bon? Ça marche. Yep. Alors slash clap tout le monde, félicitations, on va enfin pouvoir passer, c'est beau. C'est la première épreuve. On est digne de continuer. J'ai réussi l'épreuve magique. Le crash de la boxe. Ça y est. Ah parfait avec la musique. Seulement 1h12 de retard.
pile. C'est moins pire bourre que certains trains de la SNCF. Bien. Donc on reprend. Enfin plutôt, on attaque. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Et maintenant, une page de pub. Bien. Alors, je ne vais pas refaire la version longue du résumé. Je vais résumer ça de la manière la plus simple. Les joueurs sont dans la merde la plus totale, moins que s'ils n'avaient plus de connexion Internet, cela dit. Et ils se retrouvent dans la situation suivante. Ils essayaient de sauver les villageois contre l'attaque de demi-élémentaires revenus à l'état sauvage. C'est les soldats. Les soldats. Les demi-élémentaires, qui sont sortis du puits. Oui, mais on, vous les avez contrés. On ne sauve pas les villageois, on sauve les soldats, parce que là, il n'y a pas de villageois. Tout à fait. Oui, mais après les soldats, il y a la villageois. Donc, vous avez contré l'attaque des deux. Tu peux y aller, de toute façon, je suis imperméable à toute vague. Je les prends sur moi comme quelqu'un qui les accepte, tu vois. Ça, c'est ça. Et donc, le demi-élémentaire qui est là, et qui est sorti du puits, qui est ici. Il s'est rué sur Sir Delenor, il l'a fait saigner, et est intervenu à ce moment-là, Bob, suivi de Théo. Shin, il me semble. Shin qui lui a... Oui, moi, je lui dis, Bob qui a attaqué, qui a lancé sa flamme. Je vais sauver la vie avant qu'il soit tué par Théo. Oui. C'est vrai, avec les magnifiques... magnifique de Shin. C'est vrai, j'avais commencé par une flamme, par lui baisser les PV, mais il avait quand même réussi, à, par force de volonté, à rusher jusqu'à lui et à le blesser. Et c'est là que Shin est intervenu avec un tir. Oh là 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 là, 18 même voilà, tir qui a tué Kaelini, quoi. 18. En effet, tu lui as fait un trou dans le dos énorme, il est tombé lourdement, et à ce moment-là, il y a Sir Delenor, donc celui qui dirige la ville de Lysandre, qui s'est retourné vers vous, et qui s'est retourné avec ses soldats en disant « Exécutez-les !» en parlant évidemment des demi-élémentaires, notamment celui qui était ici, et qui était vraisemblablement en difficulté. Et à ce moment-là, Théo a utilisé son pouvoir d'affaiblissement, Damoclès, en direction de Sir Delenor. Il a tendu la main, une énergie funeste s'est dégagée de lui, et il a commencé à avoir mal à la gorge. Il a chuté, il a pointé le doigt vers vous. Capturez-les, tuez-les. Donc, je vous propose un point strat d'1h12 pour... L'auto-troll. Il est pas mort du coup, Sir Delenor ? Bah, on ne sait pas. Il a une grosse blessure, il est en train de saigner de partout et il est inconscient. Il est vraiment, vraiment très, très mal en point. Mais est-ce qu'il est proche de la mort comme Bragg ou est-ce qu'il est proche de la mort pour de vrai ? Ah, parce que ça fait toute une différence, quoi. Ah, il est proche de la mort comme tu vas bientôt le voir. Et donc... Il chute lourdement à terre, le pauvre Sir Delenor, et à ce moment-là, qu'est-ce que vous faites déjà dans l'ordre de celui qui s'attendait pas à un tel déferlement de puissance, Théo ? Eh ben, c'est pas moi ! J'y suis pour rien ! Tu peux pas switcher sur off ton Damoclès, machin, parce que ça continue à le drainer ou pas, là ? Ah, oui. Enfin, tu vois, il est là, les bras en l'air, comme ça, avec de l'énergie. Toi, t'es là que t'as pas eu... Délicieux. De tout le monde bon. Ok. C'est lui. je pointe Bob. C'est lui. Tant mieux parce moi que j'avais fait réussi... ça. Oui. Vu que j'ai réussi avec succès précédemment à prendre les directives et à leur insuffler un peu d'autorité dans les soldats pour les faire réagir, je voudrais essayer justement là d'invoquer une autorité imaginaire. Pour réussir à, avec un coup de chance, peut-être qu'ils sont trop cons ces soldats, avec un coup de chance, avec l'esprit de groupe, ils vont se ranger de notre côté et on va pouvoir essayer de sécuriser un peu le truc. Donc je voudrais... Ouais mais ils s'en foutent, c'est moi qui fais la connerie, c'est pas toi. Oui, je voudrais essayer un discours.